L'an dernier, à pareille époque, nous étions ensemble ici même pour participer à la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année. Je présente donc à chacun de vous et à vos familles mes vœux les plus sincères de bonheur, que 2023 soit une année de réconciliation, de fraternité, de paix et de prospérité. À la fin de l'année, il est bon de faire un bilan et de prendre des bonnes résolutions pour l'année qui s'en vient. Je ne vais pas vous assommer aujourd'hui avec un rapport d'activité. Ce n'est ni le moment ni le lieu. Cependant, un regard, même bref, sur l'année écoulée nous permet d'évaluer les points forts et les points faibles de nos actions et de notre manière de servir nos concitoyens dans les différentes administrations publiques. C'est le moment de nous demander si nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour accomplir les missions qui nous sont confiées. L'année qui s'achève nous a apporté son lot de problèmes. Nous avons dû assumer et prendre des décisions difficiles qui n'ont pas plu à tout le monde, mais que les contraintes budgétaires nous imposaient. En deux occasions, les fluctuations des cours du pétrole nous ont obligés à modifier les prix à la pompe. Ce ne furent pas des décisions faciles. Et je saisis l'occasion pour souligner la solidarité de l'ensemble des membres du gouvernement qui l'ont assumé avec moi. Il était devenu intenable pour les finances publiques de continuer à supporter cette saignée de plusieurs milliards de gourdes tous les mois, alors que nous ne disposions pas des ressources suffisantes pour assister les plus défavorisés, ni pour atténuer les effets du choc provoqué par une inflation galopante, ni pour faire les investissements nécessaires pour améliorer nos infrastructures, rendre disponibles les soins de santé et encore moins pour équiper nos forces de sécurité et les mettre en situation de faire face efficacement aux gangs armés. Le peuple haïtien s'est plaint, mais il a compris que nous ne pouvions pas continuer à vendre à moitié prix un produit qui venait de l'étranger. Il nous incombe au niveau du gouvernement de trouver les bonnes formules pour garantir la disponibilité du carburant sur tout le territoire au prix fixé. Ceci m'amène à parler de l'insécurité et de la terreur que les gangs armés font rire à la capitale et dans d'autres points du pays. C'est un sujet de préoccupation pour nous tous. Le gouvernement a consenti des sacrifices pour commander certains équipements pour la PNH. Les livraisons ne se font pas au rythme que nous avons souhaité. Là encore, je dois souligner la solidarité des membres du gouvernement qui ont été unanimes pour lancer aux pays amis d'Haïti un appel à une assistance robuste pour aider la PNH à reprendre le contrôle du territoire. Nous avons des raisons de croire que cette assistance va arriver. Nous en avons besoin pour réaliser ce qui est la mission principale du gouvernement intérimaire, c'est-à-dire remettre notre pays sur les rails de la démocratie, reconstruire nos institutions et rendre la direction des affaires du pays à des élus librement choisis par le peuple haïtien. Nous terminons cette année avec l'espoir que nous allons parvenir enfin à rassembler nos compatriotes autour d'un projet commun et à l'organisation d'élections libres et transparentes. Nous avons lancé la signature d'un compromis national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Des organisations de la société civile, de nombreux partis politiques et plusieurs associations patronales du secteur privé ont déjà signé. Qui plus est, ils ont désigné leurs représentants au Haut Conseil de la Transition.
Le document est ouvert à la signature de tous les démocrates et de tous les patriotes qui veulent contribuer à une sortie durable de la crise que traverse notre pays. Le document sera bientôt publié au journal officiel et le HCT sera incessamment installé. D'autres étapes importantes seront franchies dans les jours qui viennent. À la fin de cette année, nous pouvons que dans la grisaille actuelle, c'est la bonne nouvelle que nous pouvons annoncer, la bonne nouvelle que beaucoup attendaient d'Haïti. Avec ce compromis, nous posons les bases pour un nouveau départ dans une Haïti réconciliée, unifiée, et nous espérons bientôt pacifiée, qui peut contempler l'avenir avec l'espoir d'un lendemain meilleur. La route sera longue. Il y aura beaucoup d'embûches à surmonter. Mais, moi qui a dit nous, pi près, passer nous pi loin, une solution durable pour pays nous. Pour construire Haïti, Haïti que nous voulons, agents de l'administration publique, vous aurez un rôle déterminant à jouer. C'est vous qui devez être les porteurs de ce projet de changement et de transformation de notre société. Les responsables politiques passeront, mais vous resterez pour assurer la continuité pour la mise en œuvre des chantiers de l'Haïti de l'avenir. Le gouvernement a compris que les serviteurs de l'État avaient, comme tout le monde, des difficultés à faire face à la montée des prix du panier de la ménagère. Malgré les contraintes de l'austérité budgétaire, nous avons fait un effort particulier pour accorder une augmentation substantielle de tous les salaires dans la fonction publique, allant de 13% pour les salaires les plus élevés jusqu'à 49% pour les plus bas salaires. En dépit des vicissitudes du quotidien, je crois que je peux terminer mon propos en réitérant pour vous tous et pour vos familles mes vœux de réconciliation, de fraternité, de paix, de bonheur et de prospérité pour l'an de grâce 2023. Je vous remercie.